Merci beaucoup. Merci aux organisateurs pour leur invitation. Donc, effectivement, je vais vous parler du lien entre le canal lombaire étroit et l'amylose cardiaque TTR au travers d'une série anatomopathologique qui a été publiée en décembre dernier dans le JIM par une équipe suédoise. Alors, on a tous bien perçu ce lien entre canal lombaire étroit et amylose cardiaque TTR, mais pour autant, il y a peu de données dans la littérature en termes de prévalence. Et peut donner également au niveau des séries anatomopathologiques. La plus grosse série jusque-là comportait 56 patients avec une forte prévalence des dépôts amyloïdes, dont la moitié de dépôts TTR. Alors la méthodologie de l'étude est très simple. Il s'agissait d'inclure prospectivement des patients de plus de 50 ans référés pour une chirurgie de canal lombaire étroit qui n'avaient pas d'antécédent cardiaque. Et des biopsies étaient réalisées systématiquement à la recherche de dépôts amyloïdes. Et après caractérisation, lorsqu'il y avait des dépôts TTR étendus, il y avait recherche d'une atteinte cardiaque. Alors c'est une étude essentiellement anatomopathologique avec quatre volets. Un premier volet à classique rouge Congo microscope polarisé pour les dépôts amyloïdes. Un deuxième volet d'immunofluorescence pour caractériser les dépôts TTR. Puis ensuite, il y avait une quantification visuelle des dépôts et des Western blot des dépôts. Alors la quantification visuelle, c'était une échelle de 1 à 4. Selon le caractère épars ou confluent des dépôts et leur intensité. Et en cas de dépôt grade 3 ou grade 4, les patients pouvaient bénéficier d'une exploration cardiaque. Alors, les résultats de cette étude, 250 patients inclus, c'est-à-dire c'est 5 fois plus que la série précédente, avec une prévalence de femmes et 86% de dépôts amyloïdes au Congo. Par contre, à l'immunofluorescence, 37% de dépôts TTR et 17% de dépôts TTR grade 3 ou 4, c'est-à-dire intense. Ces patients avaient ensuite, pour certains d'entre eux, malheureusement, il y a eu des pertes de vue, des investigations cardiaques. Alors, si on regarde un peu plus dans le détail, les patients avec des dépôts étendus grade 3 et 4, eh bien, il y avait une prédominance de patients plus âgés, c'était statistiquement significatif. Il y avait une prédominance masculine. C'était également statistiquement significatif. Ensuite, il y a eu un Western blot des dépôts quand ils étaient intenses et lorsqu'il y avait l'étude Western blot, eh bien, on s'apercevait que c'était un pattern de type A, c'est-à-dire il y avait présence à la fois de molécules entières de TTR, mais également de fragments C-terminaux, donc témoin d'une amylose à risque systémique et à risque de localisation cardiaque. Vous avez noté qu'il y a 49% des patients qui avaient des dépôts amyloïdes non TTR. Ils n'ont pas été caractérisés dans cette étude. Il y a peu de données dans la littérature. Il y avait souvent des patients avec des dépôts à la fois TTR et d'autres dépôts, comme ici en rose, amyloïdes non caractérisés. Alors, si on s'intéresse aux patients avec des dépôts étendus grade 3 ou 4, eh bien, on s'aperçoit que sur les données cliniques, une donnée intéressante, c'est qu'il y a 17% de la population qui a été opérée d'un canal carpien dans le passé, c'est exclusivement des hommes. L'évaluation cardiaque des patients avec dépôt TTR étendu est un peu décevante. Seulement 61% d'entre eux ont bénéficié d'une IRM cardiaque. Mais ce qu'on peut noter, c'est qu'il n'y avait aucun aspect d'amylose à l'IRM cardiaque avec un T1 mapping normal, notamment chez tous les patients explorés. En première conclusion, on peut dire que c'est une des plus grosses séries anatomopathologiques publiées de canal lombaire étroit et que chez des patients tout venant opérés d'un canal lombaire étroit plus de 50 ans sans antécédent cardiologique, on va retrouver 86% de dépôts amyloïdes, 37% de dépôts amyloïdes TTR, 17% de dépôts amyloïdes TTR étendus, 0% d'atteinte cardiaque au moment de la chirurgie lombaire. Alors, il y a des limites que vous avez perçues à cette étude. D'abord, il y a eu une exclusion des patients avec antécédents cardiaques qui peut-être peut modifier la prévalence des dépôts TTR. Ensuite, tous les patients avec dépôts TTR étendus n'ont pas été explorés d'un point de vue cardiologique. Et les explorations cardiologiques comportaient des échographies sans strain et des IRM. Donc, sous réserve des explorations menées, il n'y a pas d'atteinte cardiaque concomitante à l'atteinte du ligament jaune. Pour autant, il y avait des arguments pour dire que c'est quand même une maladie à risque cardiaque, à une maladie de système, puisque un patient sur cinq avait un antécédent cardiaque carpien.
parce que également sur des biopsies de adjacents aux ligaments jaunes où il y avait des adipocytes ou des vaisseaux sanguins, il a été retrouvé dans 43% des cas des dépôts TTR chez les patients avec des dépôts dans le ligament jaune. Et puis l'aspect Western blot est un pattern A à risque systémique. Alors cette étude induit la notion de latence entre la chirurgie du canal lombaire étroit et le diagnostic de l'atteinte cardiaque. Jean-Pierre Gueffier vient de nous répondre pour le canal carpien, mais on n'a pas de données, à ma connaissance, dans la littérature sur le canal lombaire étroit. Et puis cette étude également induit la notion plus complexe de dissémination. On sait que après transplantation hépatique, on peut revoir apparaître des dépôts amyloïdes sur le cœur, que lorsqu'on met en présence avec des tétramères TTR, white-tap, des fibrilles TTR dans le tissu, on peut in vitro déclencher un processus amyloïde. Donc la question sous-jacente, c'est est-ce que la localisation sur le ligament jaune, c'est pas une première étape de la maladie systémique, et que c'est à partir de cette première étape que la maladie diffuse, se dissémine et peut atteindre le cœur. Et enfin, si cette publication m'a intéressé, c'est pour essayer de tenter de répondre à une question pratique, c'est que faire, comment dépister une amylose cardiaque TTR à partir d'une localisation d'amylose TTR sur tégumentaire, sur un canal carpien ou sur un canal lombaire étroit. Dans notre centre, on a informé les chirurgiens sur l'amylose cardiaque et donc on a déterminé avec eux une population cible. Et comme c'était évoqué dans la discussion précédemment, et donc ils font désormais des biopsies. Par la suite, on a informé nos anatomopathologistes en leur disant que c'est important de typer les dépôts. Et là, on a maintenant des patients avec des biopsies positives. Que faire? Quel bilan initial réaliser et quel suivi mettre en place? Voilà, j'en ai terminé en rappelant que donc la prévalence des dépôts TTR est très élevée chez des patients tout venant opérés d'un canal lombaire étroit, environ 35 à 40%. Je vous remercie. Merci beaucoup, Julien. Vous êtes tous les deux incroyables de ponctualité. Donc, on a un petit peu de temps donc, pour discuter. Donc, du coup, je vais en profiter pour poser la question que nous on a eue dans le chat. C'est est-ce que le canal lombaire, finalement, pour toi, a la même valeur que le canal carpien dans la visée, bien sûr, du diagnostic de l'amylose TTR? Alors, d'un point de vue physiopathologique, on a envie de le penser, mais sur les données de la littérature médicale, à ma connaissance, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas d'études cliniques qui nous permettent de le démontrer. Et Mais, ton impression clinique comme red flags, en fait, je pense oui. que c'est un peu ça peut-être la question, à quoi te fier, plus au canal carpien, plus au canal lombaire, à l'association des deux? Moi, j'ai l'impression l'association des deux, puisque depuis quelques temps, là, vu qu'on commence à travailler avec nos chirurgiens de la clinique de la main à côté, je prends systématiquement les antécédents de canal lombaire étroit et canal carpien, et j'ai remarqué que ceux qui avaient les deux en même temps, ils avaient des formes plus évoluées de TTR, d'amylose cardiaque. Mais c'est une impression clinique qui n'a aucune valeur scientifique. Bien sûr, mais c'est quand même important, en attendant d'avoir les données, d'avoir ton impression. Et tu as commencé donc toi à regarder systématiquement, je ne sais pas si tu peux nous en dire plus, les canaux carpiens de tous les patients que la clinique t'envoie, du coup ou... En fait, nous, la chance qu'on a à Angers, c'est que on a un très très gros centre de chirurgie du canal carpien, un des plus gros centres en France. Et quasiment tous les chirurgies du canal carpien sont réalisées dans le centre à côté de chez nous, pour un périmètre de 50 km. Et donc ça permet de pouvoir travailler avec eux et on a pu recouper nos données. Donc on trouve des prévalences pareilles, identiques à celles qui sont dans la littérature, plutôt un peu plus élevées. On est entre 40 et 50%. 40 et 50% d'amylose TTR donc chez les cardiaques, chez les patients qui ont été opérés de canal carpien. Non, On avait fait inverse. c'est l'inverse. L'inverse. D'accord. Une qu'on suit dans le centre. Ont 40 à 50% de canal carpien, mais est-ce que tu as vu dans les... On a surtout des white tap, on n'a quasiment pas d'héréditaire dans notre centre. Et la deuxième chose, c'est que
eh bien, on y travaille, mais le diagnostic d'amylo-CTR est encore réalisé un peu tardivement sur des formes cardiaques assez évoluées. Et là, comme tu l'as dit dans ton papier, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont fait une IRM cardiaque, quoi. Oui. C'est-à-dire que là, ils l'ont fait tout de suite, donc effectivement, il manque un peu le suivi pour voir si l'amylo-CTR ne va pas arriver dans le temps, ce qui est fort probable, hein. Ce qui est dommage de ne pas avoir fait la scintigraphie, qui est sûrement beaucoup plus sensible que l'IRM dans ses formes précoces, quoi. Toi, dans tes travaux actuels, tu peux nous en dire plus ou ça reste encore du confidentiel? Alors, il n'y a rien de confidentiel. Effectivement, l'étude que je viens de vous présenter, c'est une étude réalisée par des anatomopathologistes qui ont publié l'étude, des cardiologues. Ouais. Malheureusement, il n'y a pas eu de scintigraphie osseuse, c'est la grande limite de cette étude. Mais on a quand même envie de penser qu'au moment du diagnostic du canal lombaire étroit, possiblement les scintigraphies osseuses auraient été négatives, mais ça, c'est une hypothèse. Après, sur le plan de ce qui se passe localement à Angers, je n'ai pas de données parce que c'est que quelques poignées de patients pour l'instant. En fait, pour tout vous dire, au départ, les anatomopathologistes nous répondaient Congo positif. Donc, ça, c'était quand même. Donc là, ils caractérisent maintenant. Mais moi, j'avais qu'une seule crainte, c'était la L plutôt. Et donc là, on commence vraiment seulement à bien travailler avec une caractérisation, avec un typage. Dans les centres qui ne sont pas des centres de référence à l'anatomie pathologique, il faut bien préciser. Ça peut être intéressant essentiel de typer et peut-être même de quantifier. Et ça, c'est intéressant. Donc, tu as réussi à le faire de manière systématique pour tous les patients, parce que si tu travailles avec une clinique de la main, là, où il y a beaucoup de patients, ils le font systématiquement maintenant ou ça reste, tu as défini une population à risque? Voilà, donc ils nous ont expliqué qu'il y avait deux grands pics de fréquence de canal carpien en France, c'est-à-dire c'est les femmes assez jeunes, enfin 40-50 ans, et puis les hommes 70 ans. Donc là, on cible évidemment cette population-là. D'accord. Après, c'est un problème, c'est l'âge, parce que on ne sait pas trop où mettre le curseur sur l'âge, 60 ans, 70 ans. Je serais bien intéressé d'avoir l'avis du professeur Lérez sur le sujet. J'ai pas non plus de limite d'âge, c'est la problématique. Puis quand on voit les études sur la cinétique de l'atome cardiaque par rapport au canal carpien, en tout cas, moi, sur mon expérience, des fois, les papiers disent que c'est plutôt une médiane de 7-8 ans. Ça reste une médiane. Moi, j'ai des patients, ils ont eu un canal carpien 20 ans avant. Alors après, si ça se trouve, ça n'a strictement aucun lien. Mais du coup, c'est des patients qu'on n'aurait pas forcément ciblés et qui, pourtant, ont développé une vraie cardiopathie. Donc, je saurais pas dire. Moi, j'aurais du mal à cibler, en fait, justement, les patients à suivre. Comment vous faites, vous demandez à vos chirurgiens de faire des biopsies pour qui sur les canaux carpiens? Alors là, en fait, nous, c'est un peu particulier parce qu'on a une étude en cours, ce qui fait qu'on fait un prélèvement systématique sur les patients qui ont accepté de participer. Et on fait une écho systématique. Mais en pratique, avant ça, on ne le faisait pas systématiquement. Et la problématique est, d'après ce que j'en ai compris, hein, si je ne dis pas de bêtises, c'est que la chirurgie du canal carpien, c'est une chirurgie de section, en fait, qui vise à relâcher la compression, mais qui n'inclut pas un prélèvement. Et c'est pour ça que l'avantage est loin d'être systématique. C'est qu'à la base, il n'y a pas de prélèvement sur ce type de chirurgie. Oui, c'est une chirurgie extrêmement rapide qui se fait en ambulatoire. Enfin, pour eux, c'est quotidien, et donc c'est compliqué de leur demander de faire les deux. Alors, moi, je voudrais juste revenir sur un point pratique qui est mon expérience. Hein. C'est vrai que les chirurgies de canaux lombaires, on va les retrouver, mais c'est quand même assez dur de savoir ce qui s'est passé parce que lorsqu'on interroge systématiquement des patients âgés qui ont une amylose sénile, ils ont souvent des hernies discales, ils ont été opérés, etc. Et c'est quand même pas facile d'en faire le diagnostic et de remonter l'histoire à contre-courant en fait, par rapport aux canaux carpiens où c'est vachement plus facile, évidemment, de le poser hein, comme une histoire. De chirurgical. Et donc, en tant que red flags, c'est ce qu'on étudie nous dans notre centre, on est quand même très embêté sur les canaux lombaires parce qu'il y a tellement d'interventions dorsales, on va dire, ou lombaires, qu'on a du mal à faire le lien forcément avec une histoire d'amylose et d'hypertrophie du ligament jaune. Et puis, il y a un deuxième type de canal rétréci, c'est le canal cervical. Moi, je suis frappé de voir un nombre de patients aussi avec des canaux cervicaux rétrécis.
Tu as vu quelque chose là-dessus dans la description associée au canal lombaire ou pas, Julien, dans ton papier? Vous n'en parlez pas, j'imagine. Ouais. Pas dans le papier. Dans la série précédente qui comportait 56 de canal lombaire étroit, il y avait des hernies discales et il y avait des dépôts amyloïdes retrouvés. Prévalence. Par contre, pour le canal cervical, j'ai pas de. Ok. Bah écoutez, il est 14h, donc on va conclure. On a tenu le délai vraiment de manière incroyable. Merci à tous. La prochaine biblio, ça sera donc le jeudi 18 avril et on aura Emmanuel Berthelot qui nous fera un papier sur la prévalence de l'amylose dans les cardiopathies hypertrophiques. Et Damien Legallois nous parlera du strain atrial et ventriculaire également pour le diagnostic des amyloses. Merci beaucoup de nous avoir rejoints et merci à nos orateurs et modérateurs. Et on vous rejoint avec plaisir avec Olivier dans 15 jours. Très bonne journée à vous et prenez soin de vous. Faites attention à notre ennemi commun, que ce soit en France ou au Maroc. Attention Zoubida et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.